Le comité organisateur des Jeux a essuyé son lot de critiques depuis une semaine. N'empêche que, et c'est peut-être ça le plus important, il y a énormément d'ambiance à Vancouver. Frédéric, en fait, les gens semblent beaucoup apprécier les Jeux. En effet, le petit côté britannique et flegmatique, c'est-à-dire un peu réservé, un peu flegmatique, est vraiment gommé depuis quelques jours ici à Vancouver. C'est vraiment l'olympisme qui enflamme le monde. Dès qu'il y a des médailles qui sont récoltées, eh bien là, les gens hurlent, les gens crient. Quand il y a des matchs de hockey comme ce soir, évidemment, la ville est peinte littéralement en rouge et blanc. Donc, l'olympisme change vraiment les villes. Est-ce que c'est le cas un peu partout? Eh bien, écoutez, on va remonter dans le temps. 1988, rappelez-vous, c'était les Jeux olympiques qui battaient leur plein à Calgary. Que reste-t-il de cet esprit olympique 22 ans plus tard? La réponse dans ce reportage. Dernier entraînement avant de partir pour Vancouver. L'équipe nationale de hockey féminin fait partie des plus grands espoirs de médailles pour le Canada. Les joueuses utilisent l'une des nombreuses infrastructures olympiques des Jeux de 1988. C'est incroyable d'avoir les athlètes ici tout le temps, tout l'entraînement, les tests physiques hors glace, toutes les machines sont ici, les experts sont ici. Alors, c'est l'impact que ça a, les Jeux, au niveau du sport, c'est incroyable. Pour Hockey Canada, qui a ses quartiers généraux ici, l'esprit des Jeux est resté. Je pense que quand les joueuses et les joueurs viennent ici, il y a toujours cet esprit-là qui est ici. Il y a toujours l'aréna qui reste pour le hockey, surtout le hockey mineur. 22 ans plus tard, l'héritage olympique est encore bien visible. Le parc olympique se trouve à 20 minutes du centre-ville de Calgary. Ici, ce qui reste des Jeux olympiques de 88, c'est une belle illustration d'un bon leg. Il reste la traque de bobsleigh où il y a une Coupe du monde en luge, caleton, bobsleigh. Il y a la tour de saut à ski qui est moindrement utilisée, mais qui est encore là. Ces infrastructures sont très prisées par les organisateurs de compétitions, mais surtout par les Albertains en quête de poudreuses et de divertissements. Mais Calgary, une ville qui depuis une vingtaine d'années a connu une croissance sans précédent, doit-elle vraiment son développement exponentiel au jeu? Pour cet économiste, pas de doute. Les Olympiques, c'était bien, mais le pétrole, c'est bien mieux. The Olympics came in. Gave us a short-term burst, right? But it's nothing compared to the contribution of oil and gas to the Alberta economy. N'empêche, Calgary est une des rares villes olympiques qui a fait un profit avec les Jeux. Un fonds de 66 millions de dollars avait d'ailleurs été créé pour administrer les infrastructures. Un fonds qui a gonflé jusque 185 millions en 2007. Mais l'automne dernier, dans un contexte de crise, l'enveloppe a fondu de près de 80 millions. Good morning, Winsport Canada. Winsport Canada, qui administre les infrastructures olympiques, a procédé à des compressions de personnel et de budget. We had some restructuring that we went through, that's correct, over the last 18 months, but we've come through that now and we're moving forward. L'impact sur les opérations s'est fait sentir. Le plus évident, c'est à l'anneau olympique de Calgary. Ce joyau, qui a 22 ans, attire encore la crème de la crème des athlètes canadiens, mais aussi d'ailleurs. Comme cette Danoise qui, depuis juin dernier, a choisi de s'entraîner ici pour la qualité de l'infrastructure et des services. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas d'équipe nationale, qui n'a pas de glace au Danemark, je devrais soit trouver une autre équipe nationale avec qui je pouvais m'entraîner un peu partout ou bien tout faire toute seule. Et ça, c'est dur. Mais ce joyau souffre d'un problème majeur de toit. Si une grosse averse dehors, ça va couler comme si... T'as en fait un robinet d'ouvert presque. Ça coule beaucoup, ça coule vraiment beaucoup. Mais comme l'anneau est déjà sous le coup d'un manque à gagner de 2 millions de dollars par an, la réparation qui coûterait 25 millions de dollars n'est pas à l'ordre du jour. Jacques Thibault, ancien coéquipier de Gaëtan Boucher lors des compétitions de patinage de vitesse, déplore que son bébé soit en si mauvais état à cause de gestionnaires moins passionnés. Ce qu'ils font, mais c'est pas nécessairement des personnes qui étaient là parce qu'il y avait la vision olympique ou la vision de performance internationale. Ils étaient peut-être là pour gérer des crises financières. Puis souvent, les façons les plus faciles de gérer des crises, c'est de dire bon, on va couper le personnel, on va couper le temps de glace, on va couper. C'est malheureux, mais c'est comme si on, tu sais, si on dirait aux Canadiens de Montréal ou aux Canucks, vous allez compétiner contre les autres équipes, mais vous avez moins de temps de glace, puis vous n'aurez plus de coach, puis vous n'aurez plus de hockey. Vancouver perdra-t-elle sa saveur olympique plus rapidement qu'à Calgary? Ici, on le croit. Après tout, le tout nouvel anneau olympique de Richmond, près de Vancouver, ne survivra pas aux Jeux de 2010. Il sera transformé en centre communautaire multisport.
Même chose pour le demi-lune de surf des neiges, le Cypress, près de Vancouver. C'est vraiment dommage que Cypress, ils vont le détruire, ils vont pas garder les machines pour qu'ils puissent faire les 22 pieds l'année prochaine, mais même après les Olympiques, ça va être détruit. Ce qui laisse une seule solution pour cet espoir canadien qui vit là-bas, revenir s'entraîner à Calgary. Les infrastructures de la capitale du pétrole sont donc plus que jamais nécessaires pour les athlètes. Mais le sport amateur semble souffrir du désintérêt des gouvernements. D'ailleurs, à Calgary, on redoute l'après-jeu de Vancouver. Il n'y a pas de garantie à ce point-ci. On est pas mal certain que les fonds vont être diminués un peu. Même son de cloche pour la triple médaillée olympique de hockey féminin et ancienne porte-drapeau aux Jeux de Turin en 2006, Danielle Goyette. Mais elle reste malgré tout optimiste. Moi, je ne crois pas. Je pense que les médailles, c'est ça qui va faire qu'on va avoir plus d'argent dans le sport après. Parce qu'on sait, avec tout l'argent qu'ils ont mis dans le sport dans les dernières 6 ans, 7 ans, on voit au niveau des championnats du monde tous les podiums que les Canadiens ont remportés. Alors, on sait que l'argent fait une différence. Symbole de cet espoir à Calgary, la construction de nouveaux arénas au Parc olympique, 22 ans plus tard, grâce à un partenariat public-privé. Dans la province la plus capitaliste du Canada, l'avenir de l'esprit olympique passera peut-être par la richesse du pétrole.